comment réaliser mon invention, docteur Robotnik. Alors laissez-moi partir. Sinon, c'est vous qui partez et moi, je reste ici. Cessez vos bavardages, professeur. Je ne vous relâcherai pas avant d'être sûr que votre machine fonctionne. Oui. Il me faudrait un coup de main. Un bon coup de main. En voilà. Monument d'incompétence. C'est pas le moment de se laisser aller. Rassemble un peu tes idées. Oui, oui, et le reste en même temps. C'est terminé. J'ai encore bien travaillé. Je suis le serviteur préféré du docteur Robotnik. Oui, et moi, sa victime de prédilection. Nous allons pouvoir juger des performances du Schmoos Zinoburg du professeur Schemmler. Ça a marché, ô affreuseté sérénissime. Ah, espèce de passoire sans trou. Petite question, professeur von Schlemmer. Que faut-il faire au juste pour que votre invention fonctionne? Vous ne le saurez jamais. À moins, bien sûr, que vous me torturiez pour que je parle. Torture? S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Voyons, voyons. Quel est l'instrument de torture le plus insupportable? Oh, certains restent insensibles aux tourments du chevalet. D'autres savent endurer le fouet ou l'horrible douleur des tenailles. Mais aucun n'a jamais résisté au supplice d'entre les supplices. Vous me supplierez d'écouter ce que je veux savoir très bientôt. Personne n'a jamais osé tourner le docteur Robotnik en ridicule. Vous l'aurez volé. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Oh, c'est trop dur. Oh, je vais parler, je vais parler. Il faut relier le Schmitzel au Flugelmeister qui lui-même doit être branché sur le Glockenpuckel. Oh, ça y est, ça fonctionne. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Conduisez le professeur au plus profond, au plus sombre, au plus humide de la jungle au fou. Là où personne ne le retrouvera jamais. Youpi, youpi, youpi. Oh, je ne sais plus comment s'appelle cette machine, mais je sens qu'elle va être formidable. Et tu m'enlèves les mots du backgrounder. C'est fantastique, fabuleux, colossal. Lorsque je déclencherai cette machine, je deviendrai le maître incontesté, le roi, l'empereur de Mobius. Je n'irai pas t'attraper, espèce de flotte d'épingle. Je t'aurai. Va te faire cuire une noix de coco au soleil. En parlant de ça, j'aurai comme une petite faim, moi. Ça va, ne t'inquiète pas. Nous nous arrêterons au prochain snack quand on s'en sera débarrassé. Attention, ça va chauffer. Vas-y, Sonic. Ça va pas chauffer, ça va bouillir. Hey Taze, on en a de la chance. Tu as raison. Bienvenue à Viennerville. Vienner, ça veut dire Vienne. Et qui dit Vienne, dit saucisse viennoise. C'est la capitale de la saucisse. Et au niveau chili hot dogs, alors là, je te dis pas. Waouh. Il n'y a pas de fabrique comme ça dans la galaxie. J'ai une de ces faim. Je sais pas si les chaînes de fabrication vont pouvoir suivre. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Sonic le célèbre hérisson est ici, dans ma ville. En personne. Bienvenue, je suis le maire von Francfort. Enchanté, j'ai une grosse faim. Vous voudrez bien excuser mon ami. Nous avons sauté quelques repas ces jours derniers. Tous les jeunes en pleine croissance ont très gros appétit. Ce serait un grand honneur pour moi que de vous offrir un festin des plus délicieux délices de Viennerville. Salut tout le monde. Est-ce que cette table vous convient? Parfait, mademoiselle. Ça baigne.
Sur quelle spécialité allez-vous porter votre choix, chers enfants? Saucisse chili, saucisse choucroute, saucisse au maïs, à la dinde, Wiener Schnitzel, Braunschweiger. Je prendrai n'importe laquelle pour commencer. Oh, rien à dire, mais ce n'est qu'un petit amuse-gueule. Quand a une petite faim comme ça, vous n'avez plus besoin de poubelle. Non, s'il vous plaît, on ne me dit pas que votre machine est capable de faire quelque chose d'immense avec un truc tout petit au départ. Ferme ton bec, idiot, et regarde ma démonstration. Pour ce faire, il me faut quelque chose de très petit. Le cerveau de Grunder, ça irait pas? Très drôle. Ce petit bout de peluche devrait faire l'affaire. Tu es prêt, Grunder? Enclenche le système de grossissement. Ah, intéressant. Mais je veux connaître ses véritables possibilités. Force maximum! Vos dédires font des ordres. Oh, combien sérénissime vermine! Aïe! Oh, ces deux-là ne font jamais rien de bon. Comme d'habitude, je dois tout leur montrer. Quand Tails commence à être gavé, c'est son estomac qui en redemande. Ça va un peu mieux. Où trouve-t-on de bons desserts dans le coin? Personnellement, je te conseillerais le Palais des Glaces. 41 parfums. 41 parfums? C'est pas beaucoup. Oh, regardez! Curieux ce nuage, je n'ai jamais vu ça. Je vais commencer par un cornet triple. Vanille, framboise, pistache... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, les maisons deviennent de plus en plus petites. Non, les maisons restent les mêmes. C'est toi. Il se passe quelque chose de bizarre. T'es en train de grandir à vue d'œil. Oh ouais, c'est extra. Ça me plaît pas tellement, Sonic. Fais quelque chose, ça me fait un peu peur. Ne t'inquiète pas, camarade. Je vais trouver un truc pour te sortir de là. Surtout qu'en plus, j'ai une de ces faims. Tu peux pas savoir, je sens que je dévorerai les chaises du restaurant. Ça ne m'a même pas rempli l'estomac. Et je suis incapable d'arrêter. Il faut que je m'en aille avant de faire du tort à quelqu'un. Restez calme. Je vais vous trouver une solution. Enfin, j'espère. J'ai faim. Je n'arrive plus à me contrôler. Non, au secours! Oh, Sonic! Un peu plus, ça y était. Je ne sais pas ce qui arrive à mon petit camarade. Ton soi-disant petit camarade est en train de ravager la ville. Il m'a presque assassiné. Sonic, fais quelque chose. J'ai faim, j'ai envie de tout manger. Ce n'est rien, ne t'affole pas. Je vais régler rapidement la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je peux te rappeler à ce sujet? C'est un monstre, un fléau. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Je suis sûre que Tess ne voulait pas faire de mal. C'est un malheureux accident. Un accident? Ne vous laissez pas abuser. Il s'agit d'une machination visant à la destruction du village. Et celui qui est derrière ce sombre, cet ignoble complot n'est autre que Sonic. Le hérisson félon qui sait si bien cacher son jeu. Ce n'est pas vrai, Zéro Robotnik, et tu le sais bien mieux que moi. L'explosion purement accidentelle de ma surdimensionneuse est le plus merveilleux avatar qui me soit arrivé au cours de ma carrière. Je parie que vous aviez prévu le coup, hein, patron? Comment osez-vous accuser Sonic d'être derrière cette histoire? Tous les Mobiusiens savent que c'est un héros. Comme nous savons que vous êtes le plus grand malfaiteur de la planète.
avant, mais aujourd'hui, je reconnais mes erreurs. La page est tournée. Robotnik est devenu un tout autre homme. Si j'étais aussi vil que vous le prétendez, aurais-je pris la peine de vous couvrir de cadeaux? Ils ne vont tout de même pas s'y laisser prendre. Fiers citoyens de Viennerville, frère Mobiusia, vous allez faire exactement ce que je vous dis, et cela pour votre bien et votre sécurité. Ne l'écoutez surtout pas, il est en train de vous berner. Il ose m'accuser alors que c'est lui, lui qui a réduit votre ville si accueillante en un tas de ruines. Tej n'en est pas responsable, il ne ferait pas de mal à une mouche. Je ne peux pas m'arrêter de manger, plus je grandis, plus j'ai faim. Oh, des pastèques. Ça fait du bien par où ça passe. Un simple renvoi de ce monstre et la terre tremble. Excusez-moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, oh, malédiction! Il se dirige tout droit vers nos champs de légumes! Tous après lui! Ne le laissez surtout pas s'échapper! Vous êtes en train de commettre une erreur! Notre plus grosse erreur, c'est de t'avoir fait confiance. Le seul qui puisse nous tirer du malheur, c'est ce cher, ce charmant, ce généreux docteur Robotnik. Je suis un génie. Quand ces gogos seront convaincus que Sonic est un gredin et que moi, je suis un héros, je tiendrai toute la planète et tous les Mobiusiens entre mes mains. Oh, je retourne à ma forteresse. Je vais ramener l'arme qu'il me faut pour régler la situation. Occupez-vous du reste pendant mon absence. Vous pouvez compter sur moi. Oh, c'est sur moi que vous pouvez compter. Silence! Je vous avertis qu'au moindre faux pas, je vous fais fondre à 1000 degrés, je vous transforme en chandelier. Il faut que je prenne une décision rapidement, sinon je ne verrai plus Tails. Oh, grâce à la machine du professeur von Schlemmer, Sonic s'est mis tout le village sur le dos. Ah oui? Et n'oublie pas que le professeur est le seul à connaître l'antidote. Comme il est parfaitement bien caché, personne ne le retrouvera. Est-ce une erreur de vision ou suis-je en présence du futur Monsieur Univers? Garantie? Où ça? Ah, je peux vous rendre aussi célèbre que je l'ai fait avec Robo Rambo. Oh, c'est formidable. Oh, je vous dis oui tout de suite. Le seul problème, c'est que le concours commence dans 30 secondes. Dépêchons-nous de vous mettre en forme. Ça devrait être bon. Et que le spectacle commence. Bienvenue au grand concours du monsieur Macho Mobiusien. Faites un triomphe à nos concurrents Grunter et Scratch, qui vont nous étonner par le déploiement de leurs muscles en béton armé. Importante que les jambes. Nous allons donc passer aux épreuves de culture générale. Donnez-nous la première réponse qui vous vient à l'idée. Comment résoudre les problèmes de pollution? Eh bien... Pollution? Régler celui de la paix dans le monde. Ah ça, c'est autre chose. Oh, pas facile de répondre. Et pour terminer, où est caché le célèbre professeur von Schlemmer? Alors là, je sais. Au fond du puits sans fond, à l'endroit le moins accessible de la jungle aux fous. Attendons la déclaration des juges. Match nul, et pour cause.
Je vous remets les coupes et le prix en espèces. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous avez gagné cette superbe automobile sortie de nos ateliers. Équipement absolument complet, digne des plus prestigieuses voitures construites à ce jour. Absolument complet, mis à part un léger détail. Tourne, tourne! Oh, mais j'ai pas de volant! Mais attention! Professeur Von Schlemmer! Oui, c'est bien moi. Et je vous garantis que j'en ai par-dessus la tête de faire des mots croisés. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Vous arrivez bien. Oui, je cherche un mot de 5 lettres voulant dire parfait. Géant! Ah oui, c'est le nouveau langage appelé. Branché, professeur. Cela dit, ne bougez pas. Je reviens tout de suite. La pêche au Schlemmer est ouverte. J'ai cru ne plus jamais sortir de ce trou. En parlant de ça, tu ne sens pas un courant d'air? Bref, comment pourrais-je te remercier? En sauvant une victime de votre machine. Vous connaissez l'antidote? J'en connais des milliers. Tu connais celle du grand-duc Vladimir? Quand la marquise... Je ne parle pas d'anecdote. Je parle d'antidote contre les effets de votre machine. Oh, mais fallait le dire tout de suite. La machine fonctionne à partir d'un gaz que l'on peut annihiler par l'odeur de l'ail au tantôt. Une espèce rare qui croît uniquement dans le jardin du lézard traquenard. Mais comment est-ce qu'on y va? Tu prends direction nord, 7802 km jusqu'aux îles Delta. 2, à gauche, au premier palmier. 3, boulevard Picot, c'est juste au bout. Prudence, le gardien a l'air pacifique, mais il sait tendre des pièges, tous terribles. Ce n'est pas ma faute. Je ne peux pas m'en empêcher. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons le remède. L'ail au tantôt. Vous arrivez trop tard. Notre nouvel héros national, le merveilleux docteur Robotnik, va tout arranger. Mon canon à surcongélation immédiate va transformer Thaïse en bâtonnet glacé. L'effet de l'ail est tout aussi immédiat, mais comment le lui mettre dans la bouche? À deux, professeur. Le génie scientifique que vous êtes doit savoir fabriquer un... Non? Par une incroyable coïncidence, il se trouve que j'en avais les plans là, à portée de la main. Il faudrait compter 15 mois pour... Oh, il me faudra pas plus de 15 secondes. Voilà, professeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Surprenant. Le plus grand lanceur de saucisses de la galaxie. Ouais, un chili hot dog en commande, avec garniture complète, plus la spécialité maison. L'ail au tantôt. N'insiste pas, hérisson. Ah, mon canon surgeleur fera peu avant. Je hais ce hérisson. Merci, Sonic. Tu m'as encore sauvé la vie. Ah, je suis bien content de te revoir normal, mon petit bout de chou. Le professeur nous a tout expliqué. Oui, tout le mal a été causé par le docteur Robotnik. Si vous saviez comme je regrette les méchancetés que j'ai dites sur Tails. Comment pourrais-je me faire pardonner une si mauvaise action? Que diriez-vous de 746 chili hot dogs et 301 desserts? Il est redevenu normal. Il n'y a que son appétit qui n'a pas tellement diminué. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Hé, Tails, qu'est-ce que tu manges?
de la glace, Sonic, tu veux goûter? Non, merci, je n'y tiens pas. J'adore les chili hot dogs, mais l'organisme a besoin de fruits et de légumes de temps en temps. De lait et de produits laitiers aussi. Sans parler de la viande et du poisson. Et sans oublier le pain et les céréales. Il te faut du super carburant pour faire marcher le turbo. Et puis ça fait grandir. Ah ouais? Yeah.